25 février 2024, vers 21h30, des terroristes du groupe Red Tabara, armés de fusils, ont attaqué un ménage en plein deuil dans la localité de Buringa, en commune Gihanga, en province de Bubanza. Cette attaque lâche a occasionné des dégâts humains et matériels dont le bilan se présente comme suit. Dégâts humains. 9 personnes mortes sur le champ, parmi elles 6 femmes et un militaire qui intervenait pour secourir la population. 5 personnes blessées, parmi elles 3 femmes. Dégâts matériels. Un véhicule incendié avec la dépouille mortelle qu'il transportait à la morgue. Un autre véhicule et une moto garée sur place incendiée. La permanence du parti CNDD-FDD vandalisée. Le gouvernement du Burundi condamne cet acte ignoble et barbare contre une population innocente surprise en pleine circonstance de deuil. Le gouvernement du Burundi présente ses condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu la leur au cours de cette attaque terroriste et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées. Le gouvernement du Burundi déplore encore une fois le comportement du Rwanda qui entretient, entraîne et arme le groupe terroriste Red Tabara qui ne cesse d'endeuiller au Burundi par des attaques ciblant des populations innocentes et exige l'extradition du cerveau de ce groupe terroriste hébergé au Rwanda. Le gouvernement du Burundi réitère son engagement à préserver la paix et la sécurité et demande au comité mixte de sécurité de redoubler de vigilance afin de prévenir et déjouer de tels actes qui ne font qu'endeuiller le peuple burundais. Le gouvernement du Burundi réitère son appel à tous les Burundais pour faire un front commun contre toute forme de terrorisme et communiquer aux autorités compétentes tout mouvement suspect. La préservation de la paix est une responsabilité citoyenne et patriotique.